joueurs et tout ça. Et ça a fait que c'était pas un grand, grand match. Et surtout, de match pareil, c'est surtout la nervosité qui a fait que beaucoup de petites erreurs, on pourra vu, placement et tout ça. Et c'est vrai que l'équipe qui a gagné et qui était le plus efficace. Mais j'ai vu, je vais dire, moi j'ai très objectif, hein, je ne suis pas influencé. Alors, le feuille est tout blanc encore. Mais je ne laisse pas influencer non plus par personne. Je regarde, j'observe et j'analyse. Et là, j'ai vu un tout bon gardien qui a sauvé trois ballons de haut niveau, parce qu'autrement, le résultat pouvait être d'une autre manière. Hein, tu as besoin d'un grand gardien. J'ai eu en Belgique avec Prudhomme, j'ai eu avec Courtois maintenant et tout ça. Tu as besoin d'un bon gardien, un grand gardien pour gagner des matchs. Et c'est vrai qu'il m'a plu, ce match-là, il m'a plu. Je ne suis pas quelqu'un qui juge les joueurs sur un match. Je sais qu'il y a beaucoup de nervosité là, parfois dans la passe décisive, trop précipitée parfois, mais ça, c'est l'ensemble du match. Le match, le premier contre le deuxième et tout ça, c'est toujours un élément aussi, le public, tout ce qu'il a passé dans le passé. Et pour moi, ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. Hier, c'est hier. On ne sait plus rien faire, mais je vais m'informer. C'est la même chose avec les adjoints et tout ça. Ce sont des choses comme Hicham m'a justement dit. Pourquoi chercher ailleurs? Autrement, j'étais venu avec 5 entraîneurs belges. J'ai dit, premièrement, je suis venu tout seul et je veux voir qu'est-ce qu'on a, avec qui on peut former une vraie, grande, bonne équipe